Ok les gars, du coup la nouvelle boutique d'aujourd'hui, avant de se spoiler là, la boutique, j'ai pas encore regardé, j'ai pas eu de spoil. Demain, on est mardi si je me trompe pas, et du coup demain, il y a la mise à jour, normalement je sais pas si c'est automatique, parce qu'il n'y a pas de mise à jour, parce que Epic Games prend des vacances, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, et du coup ils ont mis comme à chaque fois où ils ont des vacances, 2 semaines, ils ont mis 14 jours d'été, donc pendant 14 jours, on a des défis avec des petites récompenses, des danses, des emotes, des petits tas de trucs sympathiques, écrans d'argent, des petits nouveaux objets, parce qu'il y aura des nouveaux objets qu'on va avoir, des petits ballons à eau par exemple, des trucs sympas qui ont rapport avec l'été, et franchement c'est super stylé de la part d'Epic Games. Et par contre le problème c'est que j'ai entendu dire, pas, je sais pas si c'est vrai ou non, je n'ai pas l'information exacte, mais en vrai sur Twitter ça circule depuis hier, qu'en gros les défis en question de 14 jours sont que ceux qui auront le pass de combat. Alors j'espère vraiment que c'est juste des rumeurs et c'est pas vrai, parce que sinon les pauvres, tous les gens qui n'ont pas le pass de combat ou pas les moyens de l'avoir acheté ou qui n'ont peut-être pas envie de l'acheter cette saison par exemple, parce que voilà ils peuvent pas acheter à chaque fois, bah ceux-là ils vont pas voir malheureusement les défis de 14 jours, et je trouve ça vraiment dommage, parce que plus qu'il y a des objets gratuits, des événements comme ça avec des défis, des récompenses, etc., plus qu'il y a des gens qui vont jouer. Mais si c'est le contraire, bah les gens vont pas jouer autant, du moins tous ceux qui n'ont pas de combat vont jouer mais pas te faire tout, voilà ce que je veux dire. Enfin, pour ma part je vais les faire les défis forcément, je vous les présenterai demain dès qu'ils sont disponibles. Mais si vous voulez voir à quoi ressemble le défi, plus les petites images, etc., des petits trucs qu'on aura en cadeau, les emotes, les écrans d'enchaînement, etc., il est sur mon blog. J'ai mis la photo entière de tout le défi sur le blog qui est dans la description de toutes mes vidéos. Vous allez voir dans la description, il y a plusieurs liens de chaque truc. Et vers la fin, le 7e, dernière ligne, en gros, c'est marqué justement qu'il y aura le blog où il y a toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne. Plus des images extra des nouveaux skins qui ne sont pas encore sortis et ceux qui sont sortis récemment. Il y a aussi les défis de demain. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes peut-être pour vous. Je ne sais pas, tout dépend de ce que vous cherchez. Il y a aussi d'autres jeux, il n'y a pas que Fortnite. Mais voilà, ceux qui ont envie. À partir de là, j'ai créé ce blog là parce que j'avais déjà un autre avant. Mais le problème, c'est qu'il y avait tout plein de choses dessus. Il y avait tout plein de choses qui n'ont pas forcément rapport avec les jeux. Donc, du coup, j'ai fait un blog exprès que des jeux. Comme ça, au moins, on s'invite de chercher 1014 heures. Sur ce, du coup, on passe à la boutique directement. Alors, nous avons... Oh my god. Les gars, oh my god. On a enfin le skin que je voulais. L'attendais tellement. Le skin nomade. En plus, on est bien le thème de l'été, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, le skin nomade estival à 1500 V-Bucks. Ah, il est rentable, parce qu'ici, il y a 2 skins différents. Je vous l'avais dit, pour ceux qui n'avaient pas vu. Et son sac à dos. C'est un pistolet à eau. Franchement, il c'est le nomade. Oh mais je m'en fous, je m'en bats la sèche, je suis en vacances. Je vous rappelle que la saison 5 l'année dernière était à la période du mois de juillet. Et ce qui est assez drôle, c'est que le nomade revient en mois d'été aussi, comme l'année dernière. Genre il y a un an tout juste, le nomade est arrivé sur Fortnite. Et là, un an plus tard, jour pour jour quasiment, il est de retour. Mais en mode, je m'en fous, moi je prends des vacances. Bon, direct les gars, je l'achète. Parce que ce skin, je l'attendais franchement. Je dépensais pas de bucks récemment pour justement l'acheter. Donc voilà, le skin, il est dans mon casier. Vous avez également la pioche du skin rupture double qui est vraiment super sympa aussi. Aïe aïe aïe. L'ensemble des skins, en vrai les gars, j'avais prévu de l'acheter de toute façon. À 1200 V-Bucks, la pioche, je sais pas si je vais la prendre. Ah, j'ai envie de la prendre parce que ça me tente quand même. Il y a également le petit planeur qui est vraiment super sympa. À 800 V-Bucks, le planeur, les gars. À 800 V-Bucks, c'est quoi ce planeur, les gars? En vrai, on a envie acheter, pas se mentir. Oh bah si, je vais le prendre. Je sais que je vais le prendre, la pioche, de toute façon. Alors autant la prendre maintenant, parce que sinon je sais que je vais regretter si je la prends pas. Donc voilà, franchement la pioche. Est-ce que je prends le... Je vais pas prendre le planeur, même si j'aime beaucoup, parce que sinon ça va faire trop de bugs et après je vais plus avoir assez. Ah, la boutique elle a changé de place, ok d'accord. Le revêtement du coup du nomade est animé, comme vous pouvez voir. Il est vraiment super stylé en plus. À 500 V-Bucks, ok. Il est pas trop mal. Genre, on dirait un loup qui court. Non. Il s'appelle Kistumé. Ok. Alors, on dirait une sorte de loup qui est en train de courir. Oh, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa ce petit revêtement. Après, voilà, c'est peut-être pas le plus bon what the fuck, mais c'est toujours le thème du nomade et tout. Donc, c'est vraiment. Vraiment pas mal en vrai. Je
sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des nouveaux revêtements, des nouveaux skins, etc. Non, franchement, en vrai, ça va. Ça l'ensemble est bien. Ensuite, le retour du skin, du coup, la petite chirurgienne de terrain, que je vous rappelle qu'il y a deux styles différents. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas. Voilà. Pour ceux qui avant, il y avait le casque et tout, et maintenant, il y a juste le casque avec mon casque pour ceux qui veulent les deux. Le petit skin mercenaire de retour en boutique à 800 V-Bucks. Rien d'avouf sur ce skin. Une danse. Relax Max. Alors, c'est quoi cette danse? Alors, d'habitude, je prends pas trop les danses à 200 V-Bucks parce que généralement, c'est pas très ouf, mais des fois, elles sont pas mal. Ah, celle-ci, elle me tente pas mal. Celle-ci, elle me tente, les gars. Elle me tente vraiment. Ah mon dieu, celle-là elle est pas mal. Allez, c'est plutôt original. Ensuite, évidemment, le retour de solo de gratte. La petite danse à 500 V-Bucks. Elle est sortie il y a pas très longtemps d'ailleurs, en plus. C'est encore une de mes danses préférées d'ailleurs. Je vous rappelle qu'elle est relative cette danse-là. Et le truc, c'est que la danse-là, elle est sortie il y a pas très longtemps. Et le problème, c'est que je sais pas si vous avez. Si vous êtes d'accord avec moi, on a que 6 danses qui peuvent être favoris pour danser, etc. Et Piguet devrait mettre un peu plus parce qu'à chaque fois, moi je sais plus quoi choisir comme danse pour mettre dans les favoris. Parce que j'aime bien ces 6 danses que j'ai là. Ah oui, ça fait peur que la petite Ventouse Ninja de retour en boutique. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, non mais de rien. Avant, elle sortait tout le temps. Là, pour un temps, ça faisait un petit moment que c'est pas sorti. Ensuite, le revêtement chewing gum de retour en boutique. Parce que ça, c'est un petit retour. Ça faisait un petit moment qu'on l'a pas vu. Bon, il est pas très ouf. Hein, il est rose fluo un petit peu, mais voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien les revêtements. Celui-là, il est pas réanimé. Parce que finalement, ça 300 V-Bucks. Celui-là, 300 V-Bucks, non, c'est jamais réanimé, de toute façon. C'est pas animé, ni fluide ou ça. Enfin, c'est un revêtement tout simplement normal, on va dire. Et voilà, bon, là, on l'a vu. Bon, c'est bon, je crois qu'on a tout vu. Ok. Bon, la boutique, elle a bougé. Alors, je sais pas si tu vois ce qui vient de fond. J'ai vu qu'il y avait pas mal de youtubeurs comme moi qui avaient des youtubeurs plus connus. Parce que moi, je suis pas encore considéré comme tel, je pense. Parce que je suis encore loin d'être la youtubeuse gaming non plus, mais voilà. En gros, il y a quand même pas mal de monde qui fait des vidéos comme moi de boutique. Et j'ai remarqué que eux aussi, leur boutique, des fois, elle bougeait comme la mienne. Avant que, je sais pas, c'est Epic Games, je sais pas si fou. Bref, sur ce, moi, je vous dis à demain. Et demain, je vous rappelle qu'il y a les défis, du coup, d'été qui vont arriver. 14 jours de défis. Ça va être vraiment dingue, une dinguerie. Il y aura des nouveaux objets, ça va être sympa. De nouveaux modes aussi qu'il va y avoir, qui vont être vraiment très marrants. Moi, j'ai vu quelques extraits, quelques pas gaming que les Américains ont mis sur YouTube. Enfin, plutôt sur Twitter à la base. Mais voilà, pour ceux qui veulent voir, etc., allez voir sur Twitter, sur Fortnite en Amérique. Et normalement, il y a quelques vidéos que vous devrez trouver. Des petits gameplays de certaines personnes qui ont réussi à aller dessus, etc. Enfin voilà, des petits extraits. Bon, des fois, c'est pas forcément. Il y a aussi une arme, un pistolet, un espèce de pistolet un peu Far West, je sais pas trop quoi. Je sais pas comment vous expliquer ce genre de pistolet, mais ça fait le même coup que le boulingueur. Hein. C'est ça qui est bizarre. Alors peut-être que ça va être une arme qui va être remplacée. Le Bollinger, le Deagle pour être exact, je sais pas encore. Il y a des nouvelles armes qui vont arriver, il y a aussi un pompe à tambour qui va arriver prochainement. Il y a pas mal d'armes qui vont arriver, donc je sais pas ce que c'est, ce qui peut gagner au fond, mais on verra bien. Sur ce, moi je vous dis à demain. Bonne soirée, bonne game ou bonne nuit. Et puis profitez de l'été, de la fête de la musique. Je sais que certains d'entre vous, c'était très chaud. Pour moi tout à l'heure, il y avait de l'orage, j'avais peur qu'il n'y ait plus de courant, j'ai eu de la chance, j'ai échappé d'elle. Donc, bon courage à tous ceux, et salut, à demain, ciao!